Bonjour et bienvenue à tous. On se retrouve ensemble avec Deleuze pour préparer une recette super agréable pour les fêtes et facile à réaliser en famille. Et pour ça, j'ai avec moi un des meilleurs chefs du monde, qui est tout simplement mon épouse Nathalie. Alors ma chérie, qu'est-ce qu'on prépare aujourd'hui? Les crevettes croustillantes, gratin de panais au curry jaune. Allez, c'est parti. Alors, comment est-ce qu'on va commencer pour faire cette recette? Écoute, on doit d'abord préparer les panais. Donc ça, c'est le plus long. Ça doit cuire 45 minutes. Le four est déjà chaud. Moi, je propose, si tu veux, les éplucher. Oui. Et pendant ce temps, je vais déjà commencer, moi, à préparer le curry. Donc, on ouvre, bien sûr, les deux emballages. Et à l'intérieur se trouvent à chaque fois trois sachets. Un, qui est la poudre de coco. Deux, qui est le curry. Et trois, qui est la sauce de poisson. Alors, on prend les deux sachets de poudre de coco. On les ouvre et on les verse dans un petit bol. Je verse dessus. Voilà, tu vois, là, on le mélange bien. Et en fait, on va avoir une belle crème de coco. Et tu sais ce qu'on doit faire toujours, ma chérie, quand on fait un curry? Non. Ah ben, on doit faire revenir les épices dans de l'huile. Donc, ça permet non seulement d'accentuer le goût, mais surtout que l'huile absorbe tous les parfums. Et donc, on a une huile parfumée au curry dans laquelle on rajoute la crème de coco, tout simplement. Alors, une fois que vous avez versé le lait de coco dans les épices, on va faire une petite ébullition et puis on arrête parce que ça va cuire ensuite au four. Donc ça, c'est la sauce poisson, tu vois, on va assaisonner avec. C'est meilleur que de rajouter le sel parce que dans les currys thaïlandais, il y a toujours comme ça cette sauce crevette ou cette pâte de crevette. Et ça, c'est ce qui est la typicité, en fait, souvent des currys thaïlandais. Maintenant, on va passer au gratin. J'ai déjà épluché les panais. On va les couper assez fins parce que je veux que ça cuise assez vite. Alors attention quand vous utilisez une mandoline, soit vous mettez un petit gant ou soit vous utilisez un petit papier pour vous protéger les doigts, toujours, et puis hop, bien fin. Alors on va prendre nous ce plat là, donc c'est toujours mieux quand même d'avoir des plats un petit peu épais parce que ça disperse bien la chaleur. On va mettre un tout petit peu d'huile de pépins de raisin. Alors maintenant je mets les panais dans le plat à gratiner. Voilà, juste comme ça, et pendant ce temps, moi je vais m'occuper des crevettes. C'est toujours mieux de les décongeler au frigo. Donc vous les sortez 2-3 heures avant et puis vous les mettez au frigo plutôt que de les laisser sur un plan de travail à température ambiante. On les verse sur une petite assiette et puis on va faire quelque chose de très important sur les crevettes. Il y a toujours encore le petit intestin. On va simplement inciser et avec la pointe du couteau, hop, on va la sortir. Et là, on a des crevettes qui sont vraiment très propres. N'est pas mieux de mettre déjà les gratins au four? Ah oui, oui, oui. On va verser avec la cuillère. Voilà. J'ouvre ton four? Oui, tu peux le mettre au four, tu sais. Voilà, on a égoutté les crevettes, on les prend et puis on les met ici dans la farine. Alors c'est important parce que ça va leur permettre de bien adhérer avec le panko. Voilà, et alors tiens, je vais te donner les œufs. Et moi, je vais mettre le panko ici. Alors le panko, tu as vu, hein, c'est comme une chapelure en fait, mais c'est de la mie de pain blanc, mais très grossière comme ça. Alors ce qu'on va faire maintenant, ma chérie, on va s'occuper des jeunes oignons, mais on ne va pas en faire beaucoup. Hein. On va simplement couper ici, sur toute la longueur. Et puis on va faire des petits comme ça. Ouais, quand on met ça dans l'eau froide, ça va... Ça va faire une crawl. Ouais, voilà, exactement, ça va crawler comme on dit. Alors nous, on va assaisonner maintenant le panko. Donc toi, tu vas doser le chili. Là, c'est parfait ça. Voilà, maintenant tu peux le saler. On passe les crevettes ici. Je prends une pince, j'en mets 5 dedans. Voilà, bien remué. Et puis maintenant, je vais les prendre, regarde, un petit peu égoutté, mais pas trop, et hop, directement. Et là, je fais comme si je les faisais sauter. Et regarde ça. Waouh. Tu vois, c'est bien pané. Et ça va être croustillant, ça va être terrible. On va sortir ça du four, ma chérie, viens voir comment ça sent, tu vas voir. Ah, ouais, la vapeur sur les lunettes. Waouh. Ce que je vais faire, ma chérie, je vais mettre à chauffer, mais tu vois, je mets un bon centimètre, parce que si jamais je mets juste une couche comme ça, ça ne va pas frire. Hein. Et là, on remplit maintenant en les prenant délicatement. Il faut que ce soit une cuisson quand même qui prenne le temps. Hein. Ce que vous avez quand vous faites des fritures trop chaudes, c'est que la chapelure croustille et devient trop foncée, donc risque d'être amère. Et puis, votre produit à l'intérieur n'est pas cuit. Alors maintenant, on va les égoutter. Maintenant, on est prêt. Hein. Et on va procéder au dressage. Pour ça, on va mettre les crevettes toutes d'un côté. Voilà, alors il nous reste encore deux petites choses. C'est nos petits oignons qui ont frisé comme ça. Et alors, on va terminer par notre petite coriandre. On peut dire qu'on a bien travaillé, tu sais, ma chérie. Ben, on a l'habitude. Oui, en même temps, ça fait 17 ans qu'on cuisine ensemble.
Donc, vous avez maintenant la recette pour réaliser ces magnifiques crevettes au curry. N'oubliez pas, partagez ça en petit comité à la maison entre vous. Passez de bonnes fêtes. Et prenez soin de vous.